Bonjour à tous. Bonjour. Plutôt bonsoir, peut-être, vu l'heure aussi. Bon, bref, on est poli. Bienvenue sur le stream Diva Sans Studio. On va continuer notre habit. On va essayer, du moins. Et par contre, nouveauté. Nouveauté, on a acheté le DLC. Voilà. Oui, et du coup, c'est quoi, c'est qui, que ça change? Eh ben, normalement, je crois qu'on a deux nouveaux persos et des objets en plus. Donc, on va avoir les persos. Mais avant, j'ai oublié de dire que ben, j'étais toujours avec Jake. Salut. Voilà. J'ai oublié de te présenter. Donc, les nouveaux persos. Alors, nous avons Ronron. Sig Sujin, je suis désormais Vincent Studio. Merci. C'est gentil. Alors, on a Saya, cobaye de l'une des expérimentations secrètes de Titan. C'est une experte du katana. Ses caractéristiques, c'est qu'elle a deux formes de combat pour les attaques à distance et les attaques de mêlée. Il faut utiliser E pour passer du pistolet au katana. D'accord, pourquoi pas. On a Amir, c'est le cobaye de l'une des expérimentations secrètes de Titan. Il a des capacités mentales étranges et puissantes. Ses caractéristiques, c'est qu'Amir peut voir la description des objets sans les ramasser. Il perd un réceptacle de cœur à chaque niveau et peut voler quand il n'a pas de réceptacle de cœur. Oh, ça peut être intéressant, mais voilà, le but c'est de trouver des objets pour lui filer à bouffer et gagner des cœurs, quoi. Et puis on a toujours Wade et Anna. Ben, je propose qu'on essaye un nouveau perso. Non, ouais, vas-y. Allez, c'est parti, on va jouer Saya. Oh mon dieu, qu'elle est pas belle. Bon, allez, c'est parti. Donc là, en gros, les 4 persos colorés, c'est ceux qui sont du DLC. Les persos grisés, c'était quoi? Les persos grisés, c'est ceux qu'on n'a pas encore développés dans l'arbre du bar, tu sais. D'accord, on ok. On a les deux premiers, genre Anna et Wade. Et là, on a deux nouveaux persos grâce au DLC. D'accord. Bon, on va voir, hein. Alors, elle a un pistolet rose, sinon c'est pas marrant. Et... oh! Zouche, 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 zouche. J'aime beaucoup tes cheveux. Zouche, zouche. Bon, on va tester. On va voir. Ouais, j'aime beaucoup tes cheveux. Super, j'ai déjà pris des dégâts. Mais c'est super dur. Bon, elle fait des dégâts, mais... zouche. C'est pas évident à jouer. Ouais, je vais peut-être rester sur mon... on va tester le pistolet. Ça y est, j'ai déjà peur. J'ai déjà pris des dégâts. En même temps, je teste le perso. Ouais. Si je me vautre, c'est tant pis pour ma tête. Niveau son, on est bon ou... ouais, ça a l'air pas mal. Entre le son de la musique, le tien... mmh. Le mien... est-ce que niveau vidéo, on est bon? C'est... ça fait... c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, y a pas trop de lag, tout ça. Non, non. Bon, ok. Allez, bah on va avancer. Hein. Bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué. Donc on va voir si je m'en sors ou pas du tout. Il manque un peu de patates, je dirais, mais après... je pense que c'est fait exprès. Et merde. Putain, mais ça me saoule, ça. Couper le son du site. D'accord. Recouper le son du site parce qu'il a dit qu'il fallait pas. Ça me fait chier. Je déteste. Je déteste Facebook. Voilà. Bah, ferme les onglets. Oui, c'est vrai, mais... j'aime bien avoir mes onglets. Je suis vraiment un partisan du 20 000 onglets qui sert à rien. Ah, mais moi aussi, mais en stream, je coupe tout. Hein. Ouais. Bon allez, au revoir. Mon souper. Aïe aïe aïe. J'avoue que j'ai pas vérifié si j'avais enlevé les sons système, mais normalement, ils sont enlevés depuis 21 minutes. Et j'ai peur que la mise à jour Windows les ait remis. On verra. C'est vrai que à cause de toutes ces mises à jour, ça me fait chier qu'ils remettent les paramètres de base. Je comprends pas d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi quand tu fais des mises à jour de tout, c'est tous tes settings ils passent à la poubelle. Pourtant il y a bien un fichier settings, non? Bah moi j'ai pas tout à refaire à chaque fois. Bon, il y a que moi en fait. Fais chier quoi. Attention, ça peut péter. Pardon? Non, j'ai vu la salle avec tous les bidons. Oui, je sais, c'est juste que j'avais vu celui d'avant et puis parfois il y a des trucs dedans, j'avais oublié qu'il y avait
des choses dans les explosifs. Non. J'essaie de me remettre dans le jeu. Ah, ah, ah. Meurs. Alors. Alors là, il faut que je fasse péter le bidon sans... Ok, je peux le toucher. J'arrive pas à viser. Ok, c'est bon. Non! C'est bon, je peux monter. J'ai eu peur. J'ai une clé? Oui. Ouh! Une clé pour gagner deux clés. Et on va vérifier le reste du niveau. Bon, là, on va pas y aller. Après, j'ai des cœurs, donc on ira peut-être après le boss. Mmh. Ici. Parce que je vais pas y aller avant, de peur de tout flinguer. J'ai l'impression que les monstres sont plus gros, c'est moi ou... Je sais pas, j'ai l'impression. Mais je suis bête, moi. Quand je vois la mort arriver, je fais d'accord. Après, je peux sauter loin grâce à ça. C'est pratique. Mais bon, c'est dur à contrôler. Je vais essayer de m'y faire un peu. Ça a une très grosse portée en fait. Oh cool! J'ai une chance de tirer un four. Hein. T'as vraiment l'air moche par contre maintenant. C'est le problème. Elle est pas jolie la pauvre madame. Alors ça... Qu'est-ce qu'on a au marché? On a la cloche. Je savais que j'étais une cloche. Hop, petit coffre avec de l'argent. C'est bien. Et on a... Plus vous sautez, plus vous infligez de dégâts de mêlée. Quoi? Bah en fait, c'est super bien avec elle, quoi. J'espère que le loot ne s'adapte pas à ma façon de jouer, par contre. De Anna, là. Tina, j'ai oublié son prénom. C'est une bonne question. J'ai un shield. Ouais, non, on va d'abord faire le boss. On va voir si je perds mon shield. Si je le perds pas, je vais pas dedans. Ouais, ça permet d'avoir un sacré saut quand même. On va voir si j'arrive à faire le boss avec, avec elle ou si j'en chie. Oh putain, pas eux. Je prends des dégâts juste en touchant les machins. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Je trouve ça dommage en fait. Pourquoi il y a un demi-cœur qui vient d'apparaître? Ah, je les comprendrai jamais, c'est bon, ça c'est fou ça. Bon, je suis full vie, c'est déjà pas mal. J'entendais les murmures dans la dans la flasque, pardon, putain. Ça m'a rendu un truc de cœur. Bon, c'est bien. Et ben, on va aller, vu qu'on a des demi-cœurs partout, on peut se permettre d'aller là-bas. Ouais, je vais l'utiliser pour faire des doubles sauts, mais c'est tout. Ah, mais tout ça pour un shield que je vais perdre à la sortie. C'est dommage. Et est-ce qu'on va au marché? Bon, c'est pour une nouvelle arme. J'espère qu'elle est bien, quoi. Parce que j'ai pas assez d'argent pour la cloche. Bon, allez, on le prend. Pistolet en plastique. Éclatez-vous. Active, réinitialise tous les objets et bonus à ramasser. Ouais. Bon, il a l'air classique. Je me suis trompé. Eh ben, on verra, hein, comment. On verra. De toute façon, je m'y remets petit à petit.
Je vais me faire éclater. Je sens tellement mal. Je vais me faire éclater. Oula, il est parti tellement haut, lui, prendre. Genre... Vite, vite. Ok. Parce que oui, pour vous expliquer, il faut courir après les petits vers de terre, tout simplement parce que ça peut filer une pièce. Genre tous les monstres vert bleu lâchent un ver de terre à leur mort et il faut les écraser avec les pieds sans tirer dessus pour gagner une pièce. Ce qui est plutôt pratique sur un ex. Ok. Après je vais essayer de jouer calme et zen. Pour avancer tranquillement sans me faire toucher partout n'importe quoi. 2077. Il y a du shield en cas si je gagne pas mal d'or. Donc c'est chouette. Oh non, pas les navis. Eh mais j'ai pas appuyé sur eux. Mais le fora il fait des dégâts ou pas? Fait des dégâts. Aucune idée. Ah, j'ai plus le visuel sur mon chat. Faut que je remette après ce niveau. Non. Alors oui, les rats font des dégâts. Je remets vite fait mon chat. Voilà. Je sais que j'ai oublié une pièce, ne vous inquiétez pas. Après les foras font des dégâts hein, donc c'est bien. Oui, on a le bonus. Extrême bonus gagné. On aime le bonus. Surtout Guillaume. Ouais. Il aime la gratuité. Donc il n'aime pas. Je l'ai dit, personne n'aime la gratuité. Ok, bon, bah, on va continuer un peu et on ira chercher le bonus. Oh merde. On va pas taper sur tout et n'importe quoi. Non, mais lui, il détruit tout là-bas. Ah, arrête d'être pénible. Ok. Est-ce que je peux tirer là-bas? Non. Ah, j'ai peur de faire des bêtises. Non, le rat il détruit tout, mais quel imbécile. Ah mais au pire, pourquoi je me casse les noisettes, sachant que je peux sauter avec mon truc, mon sabre. Par contre, le rat fait des dégâts sur mon... Merde, j'ai oublié. J'ai utilisé ma clé pour ça. Oh, l'idiot du village. Bon, c'est pas grave. On va aller chercher ça. Alors, on a droit entre le monocle... Et le cœur de feu. Ben, je pense qu'on va prendre le monocle parce que le cœur de feu, je crois que c'est tu ressuscites, mais t'es fatigué. Non, c'était pas ça. On va apprendre l'anglais. Alors, c'est des items. Oui. Cœur de feu, Art of Fire. Ouais. Fire. Fire, j'en ai 39. On va mettre Art plutôt. Art. Art of Fire. C'est pas Art Fire. C'est pas Art Fire non plus espacé. Ça s'appelle pas comme ça. Ah bon? Non. C'est un blason avec un rubis rouge à l'intérieur. C'est bien des items, hein, on est d'accord. Oui, c'est du bleu. C'est oui. C'est un item. Un miroir, mais c'est pas ça. Ah, Art of Fire. Oui, ah. Comme ça, lui. Bah oui, mais alors, c'est normal. You can revive
after death, voilà, but you feel tired. C'est ça. Can only be used once. Oui, c'est normal. Et l'autre, c'est monocle. C'est le monocle. Monocle en anglais, c'est monocle. Monocle en anglais, oui, c'est monocle. Et monocle. Ah, ben c'est beaucoup plus simple à trouver. You will drop an extra key if you hatch an empty egg. Allez, go, on prend ça. Ça veut dire quoi, hatch? Hatch, c'est. Merde. Hatch, c'est faire éclore. Éclore, d'accord. On continue là. Ah, bah ça tombe bien, regarde, plein de. Allez, on continue. On va chercher. On va faire le boss, tant pis. De toute façon, on peut revenir après. Oh, le dieu de la bitter coin. Ah oh, merde, j'ai pas vu là. La grenade. Je suis un peu nul, hein, mais c'est pas grave. Oh, j'ai un plateau de go. Gagner est une question de position, timing et survie. Ajoute des balles Ça, ils l'ont pas patché par contre. Ajoute des balles supplémentaires par tir et augmente votre vitesse de déplacement. Putain. Il est super fort le tableau de go. Je suis sur les fesses, soyons honnêtes. En même temps, je suis assis sur ma chaise. Putain, qu'il est drôle cet homme. Pas du tout. Il me faut une clé. Bon, il y en a une si j'utilise une grenade, mais. Attends, parce que là en bas, bah, il faut une clé aussi. Ok, bon, on va essayer de prendre garde à la grenade. Ok, c'est bon. Oh! Oh non! J'ai gagné le popcorn. Toutes vos balles explosent. Yay! On est reparti! Attention de ne pas te les prendre. Ouais, va falloir que je continue à jouer doucement, tranquillement. Le masque Anonymous qui fait que chaque fois que je ramasse une bombe, j'en obtiens une de plus. Très bien. Bon, on n'est pas trop mal. Soyons honnêtes. Hein. On est au début, on a plein d'items qui augmentent notre. Qui augmente notre personnage. Voilà. Ah mais attends, mais j'ai des bombes gratuites. Vu que je peux tirer. Bon bah attends, je refais un tour du niveau. Bah oui, je peux faire ça. Voilà. Bon bah le jeu est facile maintenant. Et je vais mourir dans 2 heures. Peut-être dans 2 minutes plutôt. Parce que 2 heures ça fait un peu court. Hop là. Voilà, c'est ça qui est bon. Mais putain, pourquoi? Pardon. C'est elle a sorti le couteau et après elle a pas sorti le couteau. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi vous faites ça? C'est pas très gentil. Allez! On continue notre aventure épique. Alors il y aura. Ah putain, je sais plus ce que ça fait ça. C'est pas grave. Je sais plus ce que ça fait. Ah oui, mais maintenant que j'ai des bombes tout le temps, voilà, je peux trouver la secrète plus facilement. J'ai oublié de la faire sur le. Oh là là! Ah, le plateau de go, il me met bien. Que je le remets. Yeah. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est plus facile de viser quand on n'est pas aveugle. Augmente les dégâts d'armes. Ok. C'est quoi cette phrase d'ailleurs? C'est plus facile de viser quand on n'est pas aveugle. C'est pas gentil. Ils sont vraiment du racisme anti-Gilbert. Ah. Bim bam boum bim freeze, hein. C'est tout ce que je retiens. Ah mais quel imbécile.
j'ai pas de clé, donc ça sert à rien. Bah, j'aimerais bien que mes œufs essayent d'éclore à un moment donné, par contre, ça serait cool. Ah, cool. Avec ces... Ouais, j'ai pas de... J'ai pas d'amis, j'ai une clé. Yay. Ah, saleté de nounours. Ils sont bien tanky quand même, les nounours. En vrai, de vrai. Hop. On joue doucement, on joue doucement. Ah! Un nounours vilain. Non, pas Donald Trump. Non. Oh, je veux le... c'est moi ou il y a un énorme bug d'affichage? Ah bah apparemment j'ai gagné, mais... Oh là là. Ouais, il y a un gros bug d'affichage. Ouais. Allez. On fait du piano. Ah oui, en effet, je viens de comprendre. Ah oui, en effet, ouais. Ah, j'ai un violon. Tink, tink. Ah, ils ont pas rajouté de musique, par contre. Ouais. J'ai gagné une flasque. Buvez un coup, tirez un coup, rincez et répétez. Oh putain, oui. J'ai des balles beaucoup plus grosses. On va se calmer. Punaise. Oh, le docteur bleu. Qui se souvient du docteur bleu qui m'a... Qui m'avait mis tous les trucs dans le vide. Ce vilain. Et un trésor. Qu'est-ce que c'est que ça? La liste des suspects, vous obtenez deux fois plus de pièces après avoir tué des ennemis. Oui, c'est bien. J'avoue. C'est pas mal. Allez, prends les cœurs, toi. Ah, j'avais oublié qu'il faisait ça. Allez, on va repartir en arrière et... Et faire tous les trucs du monde. Hop. Pourquoi les coffres en bas, j'ai pas pu les prendre là? Parce que c'est un coffre à ouvrir avec une clé. Là, pareil, je voulais ça. Hop. Ah, il a vu un cœur lui. Ok. Là, il y a un cœur, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, merci. C'est très pratique quand même ce truc, hein, soyons honnêtes. Mais... J'avais pas vu qu'il y avait une mouche qui me collait. Hop. J'ai même pas pu le récupérer, il a pris de suite mon docteur bloc. Ok. On continue. Le tourniquet. Ah, une clé. Ah merde, mais je peux tuer mon Gripsou avec mes explosions en fait. Ah. Des protéines en poudre. Plus vous avez deux, plus... Attends, mais depuis quand Trump il peut filer des objets? Parce que là, c'est en prenant le gold qu'il a eu ça. Super fort. Calmez-vous. On va faire le boss. Attends, voyons la carte. Ça, c'est parce qu'il faut une clé. Attends, on va aller là. Vu qu'il y a un demi-cœur. Tu me donnes rien? On a déjà filé déjà pas mal.
Hop, allez go. Oh non, pas Freddy. Bon, j'espère que je vais l'atomiser. Oui, je pense. Là, il est mort. C'est quoi ça? Un moulin en papier. Augmente votre cadence de tir et les dégâts de l'arme. Oh là là. Bon, ben va falloir. Merde. Va falloir que je fasse attention à comment je tire. Ah, j'aime bien avoir le secret déjà. Pas le secret, le trésor. Une clé USB. C'est bon, les clés ne sont plus un problème. Bon, ben j'ai 99 clés, et ben voilà. J'ai bombe et clé infinie. Ouais, mais... J'avais dit qu'il fallait pas que je maintienne la gâchette enfoncée. Parce que... Ah, une clé, super. J'en avais complètement besoin. Faut que je me calme sur la gâchette pour éviter de prendre des dégâts inutiles. Oh, une nouvelle arme. La danse de la lumière. C'est pas le truc qui fait des lasers autour de moi et qui tape comme un débile? Si, c'est ça. Voilà, génial. J'aurais dû m'écouter. J'aurais dû. Fleur. C'est pas dans Bambi, ça, fleur? Si. C'est le putois, non? Oui. J'aimais pas Bambi. Pas forcément parce que c'était triste ou quoi que ce soit, c'est juste que j'aimais pas Bambi. J'ai vu qu'ils ont mis les Simpsons sur sur Disney Plus, c'est bien. Vu que maintenant ça leur appartient. Oui, c'est vrai, putain. J'avais oublié ça. Oui, ils ont. C'est la 26, c'est ça. Hein. Un badge de Non. voyou. Oui, bah oui, c'est la Fox. C'est la 26. Je l'avais pas vu. Oh, un coffre dans un coffre dans un coffre dans un coffre. Le meilleur. Ça rebondit. J'ai pas trouvé la pièce secrète. Encore. Ouais, elle doit être là en bas, va. C'est plutôt fort que je puisse... Ouais, elle est là. Bouger un... Ah! Bon, on va le faire, hein, j'ai de l'argent. Si on tombe sur une arme qui est pas trop dégueu. Ok, c'est bon. Et j'ai gagné Robocop. Laisse tomber des boucliers supplémentaires quand vous êtes blessé. Bah, non mais... Bah je pense que j'ai gagné, non? J'avoue que là, tu commences à être un petit peu pété. Ouais, je suis un peu fort, on est d'accord. Ça va très vite. C'est quoi cette salle?
Pourquoi je cours si vite là? Allez! Ah. C'est plus je reste longtemps dans une pièce et. Et plus je cours vite? Oh non, mais c'est de la triche ça, madame! Non, c'est pas grave. Mais! Je pouvais sauter tellement haut et. Non, il y a un bug, hein, avec ce perso, c'est pas normal. Hein. T'as vu le saut que j'ai fait? Mais oui, j'ai vu, ouais. Non, le perso il est cassé, il y a un problème, non? Excusez-moi, vous avez mal codé votre DLC. Oh non, j'ai oublié d'activer le machin. Bah, ça m'apprendra à être bête, tiens, voilà. Allez, on y retourne à pied. Ah, ça m'apprendra, je. Voilà. Je suis mauvais. M-O-V-E. Apprenez l'orthographe avec Ivasan Studio. Oh, j'ai tellement bien fait. Des boucliers. Mais regarde, je cours tellement vite. Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai un truc pour ça ou. Attends, parce que ça me fait peur. Qu'est-ce qui peut me filer ça? Ah, c'est le badge de voyou. Chaque fois que vous ramassez quelque chose dans cette salle, votre vitesse de déplacement et votre hauteur de saut augmentent. D'accord. Ok, bon, c'est pas eux qui ont mal codé. Je présente mes excuses à Team 17 en leur disant que je ne suis qu'un connard ingrat. Voilà. Salut, c'est Pikmin 3 en avant-première. Mais pourquoi? À cause des œufs que j'ai, c'est ça? Bah, je pense que c'est pour ça qu'il dit ça. Hein. Mais non. Je compte faire Pikmin, c'est vrai. En stream, je sais pas. Ça serait une bonne idée, peut-être. Mais non, là, c'est pas Pikmin, désolé. C'est en fait. Pardon. Imagiro, t'as suivi un peu ce qui était né en Abyss ou pas du tout? Parce qu'au pire, je peux t'expliquer, c'est juste des compagnons. Je fais n'importe quoi. C'est des petits compagnons qui boostent en fait. Putain, c'est vraiment débile le badge du voyou par contre. Pas du tout. Ok. Donc en fait, bah, c'est un. Oh, je veux un toucan moi. Souvenir des tropiques. Tu as suffisamment d'ennemis et vous laisserez tomber des œufs supplémentaires. D'accord. Oh, mais c'est une arme! Quoi? Mais non, mais je l'ai au bout du canon! Bon, pour t'expliquer, rapidement, bon, Jake, tu m'aides si je dis des conneries. C'est un roguelike. Oui. Roguelite, je sais plus. Roguelike. Ou, ben, en gros, voilà, t'as un petit bonhomme, t'as un pistolet. Bon, elle est particulière parce que je peux aussi avoir un katana, mais c'est, j'aime pas. Et en gros, le but est d'avancer dans les donjons, hein, comme 98% des roguelites. Et puis j'ai des petits compagnons avec moi. En fait, tu peux ramasser des ressources, ce sont des œufs. Et les œufs éclosent au bout d'un certain nombre de maps que tu clears. Et donc là, j'ai trois compagnons. J'ai Fleur, le fantôme et Adam. Et j'en ai trois qui vont bientôt éclore. Si tu as d'autres questions, on verra. Par contre, je veux bien que tu m'aides. Oui, je suis là, j'attends. Merci. Alors, on a l'assistant virtuel et le masque rituel. Donc, virtual assistant, Virtual assistant. Oui. Pokémon When you lose a shield, oui. There is a chance you will get a guardian sprite. Allez, go, on prend ça. Attends, et rituel quoi? Rituel masque. Je l'ai à côté. Add a crystal container, you can recover hearts by using 5 crystals. Ah oui, ça, non, ça me plaît pas. J'avais oublié ce que c'était, mais maintenant je sais. Il y avait pas une clé, quelque part, là? Mais je m'en fous, j'en ai 99, mais quel imbécile. C'est pas Pokémon, hein, parce que dans Pokémon, t'as pas un AK-47, hein. Qui tire et qui fait des explosions.
Oh, Toc! Mais il va tellement morfler, lui, vu qu'il bouge pas beaucoup. Et ben voilà. Oh, j'ai la soupe poivrée! Non, mais je l'ai atomisée, c'est pas drôle. Mais mon perso, il est complètement claqué, là. Enfin, pas claqué, il est complètement pété. Mais... Ok. Fair enough. Non, mais c'est moche, ça, d'avoir fait ça. Ils l'ont mis juste à côté, évidemment qu'ils tirent dessus. Punaise. Avec les nazis. J'ai eu un bébé cactus et un masque de minuit. C'est vendredi! Augmente vos dégâts d'armes quand vous êtes blessé. Pourquoi c'est vendredi? Oh mon dieu, mais regarde mon badge avec tout l'or que j'ai ramassé. C'est débile! Je suis une Formule 1. Qu'est-ce que quoi? Il va s'en suivre, utilise le Pikachu. C'est super efficace. Mais... J'ai pas besoin de cristaux. Hop. On va pas au boss de suite parce que là sur ce niveau c'est le cinquième donc c'est le boss, enfin le premier ultra boss. J'ai oublié son nom, l'œil là. Et si je le fais, je vais pas pouvoir revenir en arrière. Oh là là, mais j'ai encore des bonus. Mais c'est quoi ce bordel? Une boîte d'allumettes. Si l'œuf touche de la pierre ou un coffre, il l'ouvre. What the fuck? Là, c'est bizarre, hein, ce qui se passe dans le jeu. Genre vraiment. J'ai des bonus en veux-tu en voilà, j'ai 80 millions d'argent. Ah, merde. Mais j'arrive quand même à prendre des dégâts parce que je suis mauvais. Chacun son truc, hein. Imagiro qui aime bien l'OST. Oui, la musique est vraiment bien de ce jeu. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Parce que pour nous, ça fait au moins 3-4 streams qu'on dit ah, vraiment le rester de ce jeu. Cinquième stream. Cinquième. Non, mais je compte pas le quatrième. Je compte pas du tout le quatrième. J'étais tellement énervé. On n'a rien fait. Tant pis, mais bon. C'est dommage, quoi. J'étais tellement nul. Mais tellement nul. Oh là là. Ne regardez pas le quatrième stream. Ah, une fourchette et un couteau. Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des dégâts de mêlée, vous avez une chance d'obtenir un œuf. Eh ben, on va pas le faire. Oh, j'ai une toque de cuisinier, par contre. Je suis Michel Robuchon. On peut chanter ce qu'on veut. Mais bon appétit, bien sûr. Exactement. Un bœuf. C'est pas le même, hein. Un bœuf. À la fraise. Une boîte de raviolis. Il y a un truc qu'on oublie beaucoup trop souvent, par contre, hein. C'est qu'il faut faire attention à la mousse. Je l'ai pas. T'as pas ça? Imagiro, s'il te plaît, est-ce que tu peux lui envoyer attention à la mousse? Merci. C'est très drôle. C'est Imagiro d'ailleurs qui m'a montré ça et. J'ai beaucoup ri. Apparemment, il m'a dit droit à rigoler dans le jeu. Ah non, mais c'est très très drôle. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la dernière fois, j'avais envoyé sur le. Comment ça s'appelle? Sur notre Messenger, Discord. Un perso dans Dofus qui s'appelait Attention à la mousse. D'accord. C'était très très drôle. Il va te l'envoyer, tu vas voir. C'est pas mal. Moi, j'ai beaucoup Ah, aimé. Ça m'a beaucoup vraiment un fait. message Discord. Après, tu peux le mettre dans la partie même hein, pour que les gens y puissent voir si tu veux. Ils comprendront notre délire.
Attention à la mousse. Oh la chute. Elle s'est vraiment vautrée, elle, la pauvre. Oh, elle la s'est pauvre. Fait... Je pense qu'elle a dû vraiment se flinguer. J'avoue, elle, c'est pas drôle. C'est elle, elle a dû vraiment morfler, ça je suis d'accord. Oh là, le mec. Mais sinon, les mecs qui gueulent attention à la mousse, c'est très drôle. Mais pourquoi ils ont mis ça? Ils sont cons? Ben en fait, pour t'expliquer rapidement, c'est... Ils l'ont mis parce que à la base, il y avait un câble, je pense, pour voir qui arrivait en premier. Ouais. Sauf que les gens se prenaient, ben, je pense, les patins dans le fil. Ils se sont dit, ben, on va mettre de la mousse pour protéger le fil. Mauvaise idée. Ah ouais. Comme tu peux le voir. Et donc, attention à la mousse. Alors pour ceux qui nous suivent, c'est pas grave, dans mon replay, cherchez attention à la mousse sur YouTube. Ou alors, mais là, dans la partie même du Discord. Ouais. Bon, j'ai ramassé quand même. Cool, j'ai eu un cœur en plus. Le mec est arrivé façon John Cena. Ah, mais j'ai pris trop cher, là, sur ce niveau. Sur ce boss. Oh, va falloir que je fasse gaffe. Quelle idée de faire des compétitions de course à roller. Bah, ils font bien du lancer de nains, hein. Oui, mais... Pardon? Non, c'est interdit, ça y est. Je pense, oui, quand même. Bah, pendant un moment, les gens faisaient du lancer de nains. Par contre, un truc qui est... Alors, je sais plus dans quel pays c'est un pays là-haut. Là-haut. C'est pas encore interdit, et j'espère que ça va le devenir, et c'est véridique, c'est du lancer de renard. Ouais, non, mais de toute façon... Hein... Si tu vas par là, il existe un truc qui s'appelle la chasse. Ouais. Et ouais. Il y a la pêche. Je sais pas pourquoi, j'arrive à trouver une différence entre la pêche et la chasse alors que c'est exactement la même chose. Ouais. Mais la pêche, pour moi, me semble moins violente alors qu'au final, c'est la même merde. Hein, mais je sais pas. J'ai toujours... cette espèce de barrière dans ma tête de ouais bon la pêche genre ouais bon alors que je pratique pas du tout la pêche, enfin non c'est juste je sais pas dans ma tête je me dis why not. Ah, un usbis. Aïe aïe aïe. Donc on disait attention à la hausse. Mercredi. Ok, c'est bon. Moi, ça me fait rire. Attention à la mousse. C'est que le type dise ça, oui. Par contre, la meuf, enfin, la première fois que j'ai vu, je me suis dit, oh là la vache. Elle s'est éclatée. Puis en plus, plus la vidéo continue, plus tu la vois, mais elle a l'air vraiment de souffrir grave, quoi. Elle a dû, mais se démonter la tête. Elle a perdu au moins 5 jambes. Là, 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 là. C'est un peu une balade de santé, là, pour reprendre le jeu, je trouve. Tant mieux. Je suis pas en plein, là. Donc oui, par contre, Imagiro, vu que tu connais pas bien le jeu, d'habitude, j'en chie. Mais quand je te dis j'en chie, c'est j'en chie. Et là, mais... Non ! Oh putain. J'ai tiré trop fort. Mais là, ouais. Facile. Oh, le docteur bleu. Oui ! Oui ! Il me manquait que toi dans mon équipe pour m'ajouter des boucliers. Non mais pff, mon stuff est complètement pété, c'est incroyable. L'un de vous tryhard Mario Maker? Pas du tout. Oui. Ah, Mario Maker? Non, pardon, je pensais Mario 35, oui, mais pas Mario Maker. C'est bien. D'ailleurs, Mario 35, franchement. C'est super bien, le pro, hein, mais
c'est ultra difficile, vraiment. C'est ultra piégeux. Je pensais que ça serait vraiment les niveaux qui se suivent et comme à la speedrun, face à 35 autres personnes. Pas du tout. Mais non, t'as intérêt à ne... C'est ça, mais t'as intérêt à ne pas speedrunner justement, à faire attention. Et parce que t'as une question de timing et tout. Et plus tu tues des ennemis, plus tu gagnes du temps pour rester dans le jeu et plus les autres s'en prennent aussi. Sauf que pour avoir des ennemis, il faut aussi en recevoir de la part des autres. C'est toute une question de réflexion, de stratégie, d'implémentation. Mais il est vraiment super bien. Il est gratuit pour les abonnés Switch Online sur Nintendo Switch. Mais c'est dommage que... Enfin, temporairement, ils ont dit, ils ont dit que ça serait temporaire, mais si le jeu fonctionne, pourquoi pas en faire un truc bien, hein. C'est ça, c'est le... Dans c'est un peu dans l'idée de Tetris 99, donc je vois pas pourquoi ils font du temporaire sur Mario 35, parce que je pense vraiment que c'est un jeu qui peut durer, parce qu'on peut ensuite ajouter Mario Bros 2, Mario Bros 3, Mario World. Non, pas dans le même World, principe, non. Exactement. Personne n'aime ce jeu. Il n'y a que toi qui l'aime pas. C'est vrai. Non, non, j'avoue complètement qu'il y a comment qu'il était ce jeu. Oh, j'ai la pomme d'or. Bon. Tu l'aimes pas, mais tu l'avais fait en vidéo. Oui, mais parce que c'était pour le troll, tu vois, et que je m'ennuyais. Et que... Non, je déconne. Non, je... c'est parce que je voulais absolument faire le 2. Et parce que le 2, moi, ça restera vraiment, mais alors vraiment mon préféré. Mais ouais. Oui, pour la question, pourquoi t'achètes pas de nouvelles armes? J'ai peur qu'elle me pète à la gueule, donc je reste sur celle-là qui est très bien en fait. Un cookie. Un cookie au Pépita. Ah. D'accord. Pépita, la carte postale. À chaque fois que votre familier évolue, vous laissez tomber une bombe. Ouais, bon, j'ai le même avec la clé, donc... Vroom, 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 vroom. Ah, c'est drôle. Non, mais putain, mais ce jeu... Un petit panda. Ouh là là, vas-y docteur Bleu, fais-toi plaisir. Mais prends-les dans l'ordre, fais un effort quoi. C'est pour Riri Popot Carcora et c'est Chico. Alors c'est maman, et Chico, et petit Chico, et merde. Punaise. Même mes compagnons, ils sont complètement cassés là. Mais en fait, pourquoi cette question, Imagiro, tu fais des choses bien sur Mario Maker, tu... C'est... Et puis pourquoi tryhard? Tu peux pas tryhard Mario Maker. C'est qu'il joue beaucoup, ok, mais... Non? Y'a vraiment une session, une notion de tryhard ou c'est moi qui me fais des idées? Ah oui, certains vidéastes ils s'amusent bien à plus que tryhard de jeu, oui. Ah ouais? On peut faire vraiment des maps à battre des records de temps mondiaux. Ah bon? Ah oui, oui. D'accord. Je savais pas qu'il y avait cette portée là au jeu. Je m'y suis jamais trop intéressé à Mario Maker, c'est vrai. J'aime bien Mario, mais bon voilà. Ah, le bonbon à la menthe il était bien, non? Ah oui, c'est ça, à chaque fois que votre familier évolue, vous laissez tomber un demi-bouclier. Bon, mais là, je pense qu'à un moment donné, j'aurai tous les objets du jeu. Hein. Sur moi. J'ai peur d'appuyer sur échappe pour voir combien j'en ai. Je vais le faire. Oh putain, j'ai trois lignes. Avec les...
Non, mais j'aime pas ça. C'est nul. Ouais, c'est nul. J'ai pas envie de perdre un réceptacle de cœur, sachant qu'il y a Zeus qui arrive. Enfin, avant, t'as Al. Il y a Zeus. Et on a toujours pas fait Ares, donc j'ai envie de garder le maximum de trucs possible. Genre, vraiment. Si je peux me sauver les fesses grâce à ça. Oui, j'ai créé des niveaux en super expert. Ah. Oui, donc ça veut dire que t'essayes 20 fois si un truc est possible ou quoi que ce soit, c'est ça? Mais qu'est-ce que je fais? Parce que si ton niveau doit être validé, il faut quand même que toi t'arrives à le réussir une fois, c'est ça? Ça me fait penser à un autre jeu, je sais plus lequel. C'est un jeu sur téléphone, je crois, où tu crées pas une maison de piège, mais presque, mais il fallait que tu sois capable de la valider de ton côté, ouais. Ça paraît logique. Allez, c'est Al. Al, il est relou, hein, de souvenir. Bon, Al, il est mort aussi, de souvenir. Voilà. Succès déverrouillé, joueur pro. Ah. Est-ce que c'était avoir tué un... attends, il y a eu trop de trucs là. C'était un boss, ça? Oui, c'était Al. D'accord. Ah ben, il a fait Al. Certainement pas un milkshake, ajoute un setup de cœur et un réceptacle de cristal. Ok. Je pense que joueur pro, ça veut dire faire un boss sans prendre de dégâts. Attends, mais là, c'est plus Zeus, c'est Ares? Ou alors il faut faire un truc spécial pour Ares et... Je comprends pas là. Parce que je crois que c'est le niveau de Zeus bleu comme ça. Ah putain, s'il faut, il fallait que je fasse un truc spécial pour débloquer Ares et pas Hades. Oh non. Zeus. Bon voilà, il y a tellement de dieux que je m'y porte. Ça me fait penser qu'un jour ce serait bien que je joue à Hades. Ce jeu a l'air vraiment incroyable. Complètement dans mon style que j'apprécie, donc faudrait que je le fasse un jour. Un coffre. Une guitare arc-en-ciel, colorer le monde. J'ai peur. Est-ce que je la garde ou pas? Ça risque de me péter à la gueule. Ouais, non. J'ai dit que je voulais gagner. Ouais, si par contre on se tape Zeus en boss là, il y a un problème. Il va falloir qu'on cherche comment avoir Ares. Mais Ares, il y avait un truc bizarre, fallait collecter des... Enfin, son texte était beaucoup plus précis que les autres, je trouve. Enfin, je sais pas si tu t'en souviens. On va voir la façon. Merde, j'ai pas activé le cristal de téléportation.
Hop. Ah. Ça. Parce que là, une heure dans le vide. Mais j'ai peur que ce soit Zeus. Pour une raison que j'ignore. C'est vrai que ça fait déjà une heure que je suis sur cette run, quoi. Quel enfer. Après, hein, vaut mieux une run de 1 heure qu'une run de 10 minutes, une run de 10 minutes, une run de 10 minutes. Ouh. Bon, il y a le boss. Et ben on va voir, mais ça m'étonnerait que ce soit Arès. Putain, c'est Zeus. Bon, il y a un truc particulier à faire là. Mais quoi? De toute façon, Zeus, je suis en mesure. Voilà. Mais mince! Pourquoi? Arès, dieu de la violence. À travers les âges de la civilisation, la colère et la violence ont toujours été profondément ancrés dans le cœur des hommes. Cet instinct primaire ne s'efface pas. Le jeton de la violence que vous trouverez dans son temple vous guidera jusqu'à lui. Mais j'ai jamais trouvé le temple d'Arès. Merde. Là, j'avoue, pas cool. Mais le truc, c'est que... Enfin... J'ai jamais vu de salle très spécifique, au final, qui sortait plus du lot. Bah ouais, moi non plus. Donc comment tu le trouvais... Ça veut dire qu'il y a un truc qu'on a peut-être pas fait dans... comme il faut, ou dans le bon ordre, ou... S'il faut, il y avait une autre sortie sur un niveau, on l'a pas vu. Oh putain, d'accord. Peut-être, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais moi non plus, je sais pas. Mais en attendant, oui. Adressons-nous à l'international. Oh merde. J'ai envie de rester en péninsule ibérique. Donc, la dernière fois, on s'est adressé à la communauté espagnole. Cette fois-ci, allons direction le Portugal. Hola a todos. Obrigado por no assistir a esta em nosso stream. Somos una pequeña asociación y contamos con boche para nos tornarnos conocidos y crecermos juntos. Nos valores de respeto, tolerancia y apertura al próximo. Boche puede nos apoyar haciendo una doación, no el aso. Link en la descripción. Espero que boche tenga un buen tiempo conosco. Et s'il y a des Brésiliens dans la salle, je pense qu'ils vont me taper un peu parce que j'ai écorché certaines choses. Voilà. Mais tu t'améliores de jour en jour. C'est un peu plus compliqué, je trouve, que l'espagnol. Et pourtant, apparemment, c'est... Ah non, c'était avec l'italien. Qu'on disait que l'italien et l'espagnol, c'était pareil, alors que pas du tout. Et c'était même compliqué d'apprendre l'un si t'as appris l'autre. Je pense que l'italien est quand même plus simple que le portugais. Ouais. Ouais. Putain. Oh, mais pourquoi? Je suis très très déçu. Ouais, mais sauf que si j'ai pas la solution, j'ai pas envie de lancer une run pour au final retomber sur Zeus, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Alors attends. Comment il s'appelle le monsieur que tu cherches? Arès. Arès. Comment débloquer Arès? Je cherche. Alors.
Alors, je cite la première phrase. Arès, dieu de la violence, ne se débloquera pas après avoir battu Zeus, le dieu d'électricité. Vous allez devoir fouiner pour le trouver. Putain. Maintenant, je lis le reste. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je vais en relancer une et puis on verra dans le jeu. Va falloir fouiner. Mais oui, mais c'était... Il avait dit qu'il y avait un temple à trouver, mais putain, je l'ai pas trouvé. Ou alors, je suis allé vraiment trop vite sur le... Je pense que c'est ça. Je suis allé trop vite sur le dernier niveau parce que j'ai vu que c'était Zeus et au final, s'il faut, il y avait le temple d'Arès à côté, vu que ben, Zeus et Arès, c'est... Non, c'est pas ça. J'ai oublié de prendre l'autre perso. Putain. Comment on fait ? Système. Redémarrage rapide. Lorsque vous lirez la description du quatrième boss dans le listing proposé dans le menu du jeu. C'est pas ça. Ben oui, mais... Vous pourrez y découvrir un indice concernant Arès qui se cache dans la salle secrète. L'indice est dans la salle secrète. La salle secrète. Pour avoir une chance de combattre Arès, vous devez remplir... Faut pas en dire trop. J'ai dit chance de le combattre, pas de le battre. Oui, mais il y a un indice dans la salle secrète. Mais quelle salle secrète ? La première, là ? Déjà, je lis quand même la salle, parce que pendant la phrase, ça concerne la salle secrète. Hein. Ouais, mais... Pour avoir la main, il suffit de remplir la jauge de violence le plus souvent possible pour avoir accès à la salle secrète. Je l'avais tout à l'heure, j'y suis pas allé. Je suis dépité. Ouais, mais donc c'est la salle de violence qu'il faut que je prenne. Ok. Ah oh, non, mais je suis nul. Pourquoi j'ai esquivé la salle? J'ai dit non, mais j'ai pas envie de perdre un cœur. Oh là 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 là. Bon, de toute façon, c'est fait. Je peux pas retourner dans le passé. Donc, nique. Tiens, paf. Voilà la violence. Ah, mais non, mais la violence, c'est qu'il faut que je prenne des dégâts, je crois. Oh non. Je veux pas prendre des dégâts. Là que je suis bien parti. Avec l'autre perso, j'ai pas envie de prendre des dégâts, c'est dommage. Oh, je suis dégoûté. Je vais continuer. Et puis maintenant aussi. D'accord. Mais... N'oubliez jamais que quand je suis dégoûté pendant au moins 3 jours et demi. Et après, ça commence à partir. Non, pendant 3 jours et demi. Enfer sur Terre. Mais je suis dégoûté. Non, en fait, vrai, je suis vraiment dégoûté. C'est pas du troll. C'est je suis vraiment comme ça. Pas du tout rancunier. Si encore, voilà, j'avais passé le truc, et puis bon, c'était au premier niveau qu'il fallait faire quelque chose, mais là, j'avoue, je m'en fiche un peu. Mais là, j'avoue, j'ai un peu le sel. Hein. Oh, du raisin ! Vous laissez tomber un cristal supplémentaire sur un œuf vide éclos. C'est pas ouf, mais bon, c'est gratuit. Je vais bientôt avoir ma truc de violence, moi, ça continue. Par contre... J'avance vite sur la... Oh, une nouvelle arme. Offre l'amour éternel. Quoi ? Rebelle. Améliore votre arme dans la salle actuelle. C'est quoi ? Mais c'est trop bien. C'est pas mal. Mais c'est surtout pas comme le laser qui se bloquait dans une seule direction. Non. Ça, c'était bien pourri, quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'il tape pas très fort. Bon, on verra bien. Mais... Oh, je suis... Merci, Majiro, pour le clip. De quoi, le clip du dégoût ou... Non, du Portugal. Ah, j'aurais pas besoin de le faire. Yes, vas-y, continue. J'aurais pas besoin de travailler. Je pense que cette arme avec des dégâts en plus, ça peut être bien. Vraiment. Parce que là, c'est un peu long, mais...
Jupiter, les vers de terre. Je pense que ça on va éviter. Ouh, des cœurs. La pomme d'or. Améliore votre arme, augmente légèrement votre vitesse de déplacement. Améliore votre arme. Ah ben les lasers sont plus gros déjà. Yeah, c'est ce que je veux. Si les lasers sont plus gros, ça veut dire que je fais beaucoup plus les dégâts. C'est totalement logique. Merde, je peux pas me TP là-bas parce que je l'ai pas activé. Je suis vraiment idiot bête. Après, enfin, pourquoi mon personnage est en pyjama, je sais pas. Cela dit. Mais je suis con, moi. Ouais. Ah, cool! On va faire du piano! Et c'est toujours la même musique. Je vais essayer de te déconcentrer en faisant le rythme du replay. Toum, 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 toum. Mais ça me déconcentre pas vu que même si le rythme est décalé, ça reste un rythme logique et pas un rythme complètement bullshit. Oh non, on dirait putain les racines des ailes. Ah non, c'était pas volontaire. Ah mais... Vraiment. Tu me saoules. Non, c'était pas moi. Oh, des racines et des ailes, quoi. Quel enfer ce générique. Ça te fait rire. Boîte à bijoux. Chaque fois que vous utilisez une clé, vous avez une chance d'obtenir une barrière de protection. Nice. Après, mon personnage, il dit que à chaque niveau que je vais faire, il va perdre un réceptacle de cœur. Et quand on arrive au dernier cœur, ou quand il a plus de cœur, je crois, je peux voler. Donc. Est-ce que ça vaut le coup de chercher tous les shields du monde? Non. Il faut vraiment qu'on ait des objets pour augmenter le capital. Est-ce que je refais du piano, cela dit? Ouais, allez, go. Oula, il a l'air chaud le début. Ah merde! Trop loin. Tu l'avais jamais eu celle-là, non? Non, je l'avais eu, mais je l'avais raté dès le début. D'accord. Et là, je l'ai raté, mais juste à la fin. J'adore ma vie. Je me sens bien. Si j'arrive à l'ouvrir du premier coup. Oh putain, c'est une moule. Je peux faire ça. Ça. Oh, j'ai le piment. Chaud devant, toute vos balles infligent des dégâts de feu. Bon, on va aller dans la salle secrète. Mais c'est pas du tout une salle secrète. Mais bon, bref. C'est la salle du sacrifice, plutôt. Alors, est-ce qu'il y a un indice? Pour vous, chez vous, en bas de l'écran. En bas, chez vous, indice. Là, il y a pas d'indice. Donc, qu'est-ce qu'il faut oh, que la je salle. Ouais, non, mais on l'avait déjà vu, ça, là, mais... Je me sacrifie. Ah, j'ai des nouveaux objets. Ah mais attends, je peux voir la description avec mon perso. J'ai pas besoin de ça. Plus vous avez de familiers, plus votre arme inflige de dégâts. Non merci. Chaque fois que vous utilisez une clé, vous avez une chance d'obtenir un lutin maléfique. What the fuck. Et chaque fois que vous tuez un ennemi, il a une chance d'exploser. Non. Je vais peut-être prendre le lutin maléfique, cela dit. Ouais. Alors apparemment il y a un indice. Je vois pas d'indice. Mais les yeux du casque se sont allumés. Hein. Oui parce que j'ai pris... parce que j'ai activé le sacrifice. Est-ce qu'il faut que j'active le sacrifice plusieurs fois pour débloquer Ares? Si tu meurs entre temps oui mais sinon... Attends parce qu'il y a ça là-bas. Ça, là, non. Ça, là-haut, mais...
On va continuer. Et on verra si j'arrive à activer la prochaine case violence. Et si j'y arrive, on verra si ça a changé ou pas du tout. Après, j'aime bien chercher ce genre de choses, mais bon, ça me fait chier d'avoir fait un truc dans le vide. Moi, on a essayé une nouvelle personne, voilà. On va dire ça. Soyons pas défaitistes. Soyons pas que négatifs. Si on est négatif, c'est que pour le test Covid. Que c'est intéressant. Ok. Une bière à la crème, tant mieux, ça m'ajoute un réceptacle de cœur que je vais de suite perdre en rentrant dans le prochain niveau normalement. C'est ça, hein? Ouais, je l'ai perdu. Allez, on va commencer de suite. Paf, voilà. C'est dommage, j'ai pas de bombe. Un perso, c'est un peu... Ouais, il peut être bien, mais je trouve que le bonus n'est... Merde. Le bonus n'est pas assez fort. C'est-à-dire... Le fait qu'il puisse voir les objets, ok, pourquoi pas, mais... Mais je comprends pas le fait que... Il perde des cœurs, quoi. Enfin, qu'il perde des réceptacles entiers. Ça, je comprends pas. T'as par contre tellement d'argent, là. Oh là là! C'est quand même dommage de me donner autant d'argent. Il y a encore de l'argent. C'est dommage de me donner autant d'argent. Là, si vous voulez me donner de l'argent, allez sur Eloasso. Et puis en plus, c'est pas à moi-même que vous le donnez, c'est une super association. Ils sont dingues et tous les types. N'oubliez pas, Hello Asso. C'est comme bonjour et association. C'est quand même facile à deviner. Genre Hello et Asso. À ne pas confondre avec Allo Asso, qui ne veut rien dire. Mais Hello Asso. Et non pas compris avec Olo du Nord. Mais... Avec, ouais, ne pas confondre avec Vone Solo, Solo. Voilà. Mais n'oubliez pas, c'est Hello. J'arrête. Le quoi? Hello Asso, Hello Asso, le quoi? J'ai une question sur le jeu. Ah, t'as une question sur le jeu? Oui. Dis-moi. La salle du sacrifice là. Wow. Tu peux la voir qu'une fois dans tout ton try ou non, tu non, peux non, la. Non regarde là j'ai ma deuxième barre qui arrive. C'est j'ai la Donc, deuxième barre de violence. Donc quand elle sera pleine tu vas pouvoir y accéder. Oui exactement. Mais je vais reperdre un réceptacle de cœur. Je sais pas si. D'accord. Je sais pas ce que ça va donner en fait. C'est... Bon de toute façon c'est du test hein, on connaît pas donc. On va voir. On va voir, mais ouais, ça sent pas bon avec ce personnage, du moins. Bon, tu vas me dire, mais les autres. Oh là là, zéro dégâts cette arme. Elle est bien, hein, mais zéro dégâts. Si je peux avoir un trésor quand même. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Chaque fois que vous ramassez une pièce, vous avez une chance d'obtenir des cristaux. Bon. Après, il fait quoi mon actif? J'ai pas regardé. Améliore votre arme dans la salle actuelle. Oh, ça peut être bien pour à chaque fois que je fais un boss. Cela dit. Bon, il me manque... je vais regarder le shop, s'il y a une clé en vente. Ah, il y a le clairon, il y a le choix-peau magique. Il y a du shield. Bon, je prends le choix-peau magique. Vous avez une chance de laisser tomber des cristaux supplémentaires quand vous êtes blessé. C'est vraiment dommage. Que ça soit ça, mais bon, c'est pas grave. Ah, j'aurais dû les acheter après le boss. Ah, je suis très bête. Ah, là, j'avoue, j'ai pas bien réfléchi. Bon, on va voir. Bon, le dieu de la bitère coin.
Bon, hein, je me fais pas trop toucher sur ce boss-là, mon tailleur. Mais ça peut être long. Mais ça ressemble, hein, ça peut être long. Ok, pas touché. Très bien, j'ai pas touché. Une brochette de senelle confite ajoute un réceptacle de cœur. J'ai l'impression par contre qu'à chaque fois que je fais un boss avec ce perso, il me file de quoi contrecarrer le fait que je perds un réceptacle. Mais bon, je suis pas sûr. On verra. Ah, ben je vais avoir bientôt ma salle de la violence, hein, ça continue. Bon, il y aura du shield. Donc il me faut de l'argent. Il me faut l'argent, de l'argent. Il est bloqué dans le mur, lui, il est con ou quoi? Pourquoi il crie? Ah! Tire une balle spéciale tous les 10 coups infligeant des dégâts plus élevés que la normale. Bon, bah on verra. On va dire tant mieux. A, B. C'est dommage que j'ai pas de double saut là, tu vois. Parce que ça, je le veux bien. Après, je peux tenter une fois. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Allez, je tente une deuxième fois. Parce qu'il y a de l'argent derrière. Et ben voilà, impeccable. Un peu la moule quand même, hein, ce soir, hein, j'ai envie de dire. Genre un peu beaucoup. Je sens qu'il va m'arriver une grosse connerie. Hop. Oula. Il y a un bug d'affichage là, très. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est trop bien cette salle. Mais bon. J'ai pas de clé et j'ai une grenade. Ah cool, je vais pouvoir activer mon. Le truc. Allez, boum. Une grosse pièce d'or. Je vais pouvoir aller chercher le deuxième indice. Indice ici chez vous. Alors, voyons voir si ça a bien fonctionné comme je le pense ou pas du tout. Bon, pas du tout, il n'y a rien qu'à bouger. Attends, avec les items, je dis bien les items. Hein. Ouais. Il y a un casque. Il y a une orange mutante. Cette orange vous rendra super fort. Augmente votre vitesse de déplacement et vos dégâts d'armes. J'aime pas le super. Casque de gladiateur. Augmente vos dégâts de mêlée à chaque fois que vous êtes blessé dans la salle actuelle. Et une citrouille. Quand vous êtes blessé, vous explosez. Quiconque survit devrait en tirer une leçon. Non. Ben, j'ai envie de prendre l'orange super forte, mais... Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'indice là. Hein. Il y a une grenade à lancer sur quoi que ce soit. Je vois pas l'indice. À part qu'il y a Abraham Lincoln. Ou quelque chose qui ressemble là. C'est censé avoir un indice. J'aimerais bien aller vers le bas là, mais je sais pas comment on fait. Genre en dessous, genre oui. Je sens pas qu'il y ait quelque chose de plus. Je sais pas. Non. Bon, ben je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse dans cette putain de salle alors. Moi j'ai la réponse. Hein. Ah, tu l'as la réponse? Ah oui, bien sûr. Est-ce que je suis très très loin du compte? Oui. Merde. Est-ce que c'est quelque chose de visuel? Ah oui. Mais là, il y a rien. Ah, donc en fait, il faut que je... C'est là, en fait, il a pas spawn l'indice. C'est ça que tu veux me dire? Voilà. Ah, ok, d'accord. Bon, on se barre. Et je vais... Le pire, c'est que même si je continue de faire... avancer le Schmilblick... Ouais, par contre, après avoir compris ce qu'il faut faire, ouais. Le mot indice, je le trouvais mal approprié. Ok. Il y a vraiment un item à prendre en particulier. Et...
Ouais, c'est la marque de choses, mais sauf que là, il n'y était pas. J'ai cru que c'était le casque, mais ça avait pas l'air d'être ça. Parce que je pense que ça serait marqué marque d'Ares ou. Soit la marque d'Ares, soit un truc genre. Parce que c'est écrit dans la description de Ares que c'est un objet très très particulier. Il lui donne même un nom, donc. Putain, fait chier. Ça veut dire que j'ai vraiment pas eu de cul deux fois là. Mais après, le problème, c'est est-ce qu'il faut le débloquer dans la run ou est-ce qu'il faut le débloquer n'importe quand ? Parce qu'avec les autres persos, c'est juste compliqué quoi. C'est de 3 coeurs. C'est compliqué avec les autres persos qui n'ont pas de cœur quoi. Genre là, je redescends déjà à 4 avec ces conneries. Vous obtenez un objet aléatoire si vous êtes blessé 6 fois dans la même salle. C'est vraiment pas ouf, mais on prend quoi. C'est gratuit. Putain, c'est dur, je trouve. Pourquoi j'ai un bouclier? Ah, je suis un peu sur les fesses. Et pas parce que je suis assis. Oh, de l'argent. Ben, je vais aller au... Non. J'irai au shop après le boss. Oh, putain, pas lui. Après là, ça va être pas dangereux. Ok, c'est bon. Tout est question de discipline. Augmente votre vitesse de déplacement et vos dégâts d'armes. Allez. Ben voilà, ça c'est des vrais lasers. Ensuite, je vais au shop. Et on va acheter que le bouclier. Parce que je pense que c'est comme ça que je vais survivre quand j'aurai plus de cœur. Des boucliers, des boucliers, des boucliers. C'est chaud, Ares, sans déconner. Et j'espère que le cinquième boss, c'est pas comme ça. Hein. Bon, tu vas me dire, il y a des chances. Alors... Cool. De quoi me faire zigouiller. On prend l'argent, hein. Toujours utile. On va trouver l'autre. J'ai peur que ouais, ça soit un peu codé ce que j'ai dans le shop avec ce perso. Parce que c'est con à dire, mais j'ai eu quand même deux fois du shield. Soit j'ai eu de la chance parce que c'est exactement ce que j'ai besoin. Soit. C'est codé. Oh, mais je suis bête. Je prends des dégâts inutiles. Allez, faut tuer une ours. Oh, putain. J'ai pas de saut. Ah, ça c'est bien ça. Mais putain, pardon. Tellement d'or. Puis j'ai gagné le Ferrero Rocher. Je suis un peu tendu avec cette histoire de sale sacrifice là. Ça me plaît moins en moyen. Ah merde, il me faut une clé. J'ai tellement d'argent que ça je peux le faire. Ah bah impec. Allez, filons ça. Boum.
Oh le chat. Moins vous avez de cristaux et plus vous faites des dégâts. Merde. Ah non, au contraire, ça peut être vachement bien avec mon actif. Avec le bistus. Ouais. Ouais. Bon. Non. Je vais dire youpi, mais... Putain, je vais descendre à deux cœurs, là. Comme dirait l'autre, c'est chaud, ça brûle. Un boule de neige avec mon tir, c'est pas mal. J'aime bien. Oh putain. Non, je vais pas le prendre. Je vais attendre d'avoir le shop. J'ai toujours pas trouvé. Ah, il y a des coffres de partout, mais j'ai pas de grenade. Prends garde. Oula. C'est peut-être le moment où je meurs. Ça devient difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Imagine. J'ai la ref. Prends garde. Sous mon boublagrenade. Sous mon boublagrenade. Prends garde. Ah, pardon. Je suis tombé. Je suis nul. Oh, le shop. Je vais payer en cristaux là, j'ai pas beaucoup de vie. Oh putain. Bon, au moins j'ai la clé, mais... J'ai la clé que je voulais. Ah, une grenade encore, putain, mais... Je suis très pauvre en ressources, hein. Soyons honnêtes. Hein. Allez, file-moi un cœur là-dedans, parce que... Oh! Alors, soit j'ai plein de clés, soit chaque fois que vous utilisez une clé, vous avez une chance de lancer, de laisser tomber des boucliers supplémentaires. Je peux pas prendre les deux, putain. Bon, on va prendre les clés. On va prendre les clés, mais... Et on va aller voir s'il y a l'indice. Bon, faut perdre un cœur pour avoir l'indice. C'est parti. Ready Player 2, ne vous relâchez pas, plus vous attaquez d'ennemis sans vous arrêter, plus vous infligez des dégâts d'armes. Puissante mais difficile à contrôler. Réduit votre cadence de tir mais augmente considérablement les dégâts de votre arme. Et la petite pioche, un objet très utile, dévoile toutes les salles secrètes à proximité. Putain! Je pense que j'ai pas l'item. N'est-ce pas? Pour l'instant je sais pas. Pourquoi pour l'instant tu sais pas? Pourquoi pour l'instant tu sais pas? Je choisis un des trois. Non, parce que si tu me dis fallait prendre celui-là, je vais m'énerver. Non, je choisis un des trois. C'était pas ça, pas vrai? En fait, là tu as trois choix, donc tu prends trois compétences en gros. Hein. Ouais. Une fois que tu as choisi une compétence, oui. Tu as une chance. Que l'item apparaisse. Oh putain! Ton choix de compétence n'a aucune influence. Ok. Ah bah ça fait trois fois que je l'ai dans le fion quoi. Ouais. Bon par contre j'espère que les dégâts. Ah oui, sont là. Oui. Ils sont là mais elle aussi. Je vais mourir. Ouf. Et j'ai pas eu de cœur. Oh bordel.
Ah non, là ça va être très très dur. Parce que je vais plus pouvoir activer le truc. Enfin si, il me reste un réceptacle de cœur pour activer le machin, mais après je peux plus continuer. Parce qu'il dit oui, tu peux voler si t'as plus de cœur, mais... Mais ça veut dire que si je prends un dégât, c'est mort, quoi. C'est ça que ça veut dire. C'est surtout ça. Oh, c'est cool. Chaque fois qu'un ennemi est tué dans cette salle, votre vue est plus perçante, augmentant la vitesse de deux. Ouais, bon. Je peux pas monter là, même si je voulais le machin. Par contre, ça fait deux fois que j'utilise pas l'actif de mon arme. Ah bon, bah c'est mort. C'est compliqué. Le Pas-de-Calais. Ah bah je peux avoir un nouveau perso. Non mais là avec ce perso, enfin, avec ce perso c'est un peu l'enfer hein. Bah, tu vas me dire avec tous quoi. Caractéristique, Matt peut faire une roulade avant sur une courte distance. Utiliser E pour rouler. Mais c'est nul. Mais c'est nul à chier. Il a un parapluie ou c'est moi? Oui il a un parapluie. D'accord, ok. J'ai envie de le tester juste pour le tester mais. Il a l'air nul. Genre attention roulade, ça sert à quoi? Waouh! Et en plus compétence pas prête, oh là là, mais c'est nul. Et oui, ce sont pas plus qui lui sert d'arme. Bon, on va commencer les hostilités. Ouais, donnez-moi du shield et donnez-moi des réceptacles de cœur, merci. Ah oui, mais il commence avec zéro clé, avec... mais en fait c'est de la merde. Enfin, là aussi, commence avec Wade, c'est bien, tu démarres avec une grenade. Tu démarres avec une grenade et puis... Certes, t'as pas la compétence rouler, mais je préfère une grenade que rouler. Donne-moi des dégâts, comme ça moi j'active très vite le truc. Bon. Par contre, niveau chance des loot, je cumule. Entre la première game que j'ai faite et celle-là, genre ils m'ont filé plein de shield. Bon, après, j'étais bien avec le. Sur celle d'avant, mais. Mais j'ai perdu trop de cœur entre le fait que je passe de niveau, je perds un cœur. J'active le sacrifice, je perds un cœur. Ouais, donc faut payer le sacrifice pour pouvoir faire. Arès, quoi, c'est ça qui fait chier. Arès se mérite. Ah oui, bah je vois ça, oui. Ah! Le piano. Sauf qu'on n'a pas assez d'or. Si on ouvre la porte. Hein. Donc ça sert à rien. Cool, des clés. Ça on aime bien, tu vois, des petits cadeaux là, des clés, des machins. Je suis très perturbé. Mais j'ai raté la grenade, putain. J'avais qu'un truc à faire, je l'ai mal fait. Mais quel gros naze! Punaise. Noob. Noob sur 20. Je prendrai le cœur après. Attention, ah, je roule. Ouh. Putain. Ça sert à rien. Enfin, je trouve pas ça très utile. Ou alors j'ai pas encore trouvé l'utilité, mais.
On peut même pas le faire en saut. C'est nul. Je suis pas méga fan de ton perso là. Ah non, il est nul à chier, hein, en soyons honnêtes. Le monocle c'était bien. Et le bandeau du ninja. Ah, c'est mon tour. Non, non, c'est bon. Je... Ah, je savais, à peu près ce qu'il fallait que je prenne. D'accord. Non, non, je vois pas la description. C'était que sur l'autre perso qu'on a voyé. Ok. C'est du. Enfin, bon, bref. Ce serait limite bien que je prenne des dégâts sur ce donjon. Moi, non. Voilà. Bon, bah, j'en ai pris parce que je suis. T'as pris lequel du coup? Le monocle. Le monocle. Le monocle, c'est. T'as des clés. Si tu fais éclore. Un œuf. Et qu'il est vide. Je... Ou juste éclore un œuf. J'ai plus. Okay. Par contre, on fait de l'argent sur ce boss, c'est pas mal. Alors, les cookies de la bravoure ajoutent des boucliers et un réceptacle de. Hmm. Super. Ça m'a ajouté un réceptacle de cœur. Est-ce que ça va s'ouvrir assez vite ou pas? Je fais un autre essai. Bon. Je vais pas tenter le diable. Déjà qu'il faut que je prenne des dégâts. Bon, au moins j'ai gagné un réceptacle de cœur, c'est déjà pas mal. Ça peut m'aider, on va dire ça comme ça. Ensuite. Un demi-cœur. Non, on s'en fiche un peu. Et j'ai pas de ressources. Mais j'ai de l'argent, c'est déjà pas mal. Bébé fantôme. Un cœur. Cool. Bon, en espérant débloquer le truc. Stylo numéro 7. Vous pouvez utiliser des clés en guise de bombe quand vous n'en avez plus. Oh putain, va falloir faire gaffe à ça par contre. Mm. Parce que. Bon, donne-moi l'objet. Alors, le lame de samouraï, les lunettes d'argent. Et pas la citrouille parce que la citrouille c'est de la merde. Est-ce que tu peux regarder la lame du samouraï donc. Un weapon? Ouais, c'est, ça finit sûrement par soul. Ah. Et je sais pas si c'est Samouraï Soul ou... Saoul. Ouais, Saoul. Je pourrais faire même. Saoul. T'es sûr que c'est un weapon? Non, pas un weapon, un objet. Ah. Excuse-moi, je me suis trompé. Soul. Non, Saoul. Samouraï Soul. Saoul. There is a chance you will fire a big bullet. Ok, et... Donc tu lances une grosse bullet. Elle est... C'est comment elle s'appelle? Merde! Non, ma blague tombe à l'eau parce que c'est pas du tac au tac! Attends, comment elle s'appelle? C'est Nolwenn Leroy qui va être contente. Voilà. C'est bon. Il n'y a pas qu'elle qui a chanté ça. Les lunettes d'agent. Donc, Glasses, c'est peut-être Agent Glasses, mais ça m'étonnerait. Bodyguard de Glasses, c'est ça? Ah, bah, sûrement, ouais. Easier. Oula. Easier to IM.
AIM, AIM. Oui, AIM. Genre, visez AIM. AIM. Without glare in your eyes. Ouais. Increase your weapons damage. Ah. Bon, on va peut-être prendre les damages alors. Attention, et attention, après, et... Putain, mais... Bon, j'ai pas eu. Est-ce qu'il faut prendre l'item daubé? Est-ce que c'est ça, le truc? Il n'y a aucune influence sur les trois items que tu prends, vraiment. Parce que si je prends l'item daubé, s'il faut, ça va m'aider, mais quand même... Tu peux vraiment, cette chose-là, tu peux l'avoir du premier coup comme au 15e, hein. T'as ah bah oui, bah là, ça a l'air d'être le 15e. C'est ma chance légendaire qui commence à frapper. Mais parce qu'entre temps, je suis allé regarder des forums qui demandaient des renseignements sur justement cette histoire de chance de RNG. Ouais. C'était vraiment random. Oh putain. Ça me fait suer. Pour être poli. Oh! Le passager. Oh non, c'est de la merde en boîte. Je crois que c'était une arme pétée, pas du tout. C'est de la merde. Soyons honnêtes. Ah. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser la clé là pour récupérer une clé. Voilà. C'était parce qu'il y avait un rocher marqué. Et que je voulais voir si j'allais avoir de la chance sur le marquage, mais bon, pas ouf. La disposition du niveau est très particulière, par contre. On va aller au shop. Allez, dépêche-toi. Du shield. C'est ce qu'on veut. J'aurais dû l'acheter après le boss, mais comme je suis très bête, j'y ai toujours pas pensé. Ah. Merde, je voulais mon demi-cœur au moins. Allez, go, Jean-Michel Bitcoin. Non, Jean-Michel Bitcoin, ça se passe bien, mais... Ah oui, bah, j'ai fait des dégâts, par contre. Super, j'ai pris les grenades en pleine à la gueule. Et je les ai reprises. J'ai failli faire n'importe quoi. Alors, on a droit... Ah, le magazine de cinéma, c'est super fort. Ajoute une balle supplémentaire, augmente la portée. C'était bien. Mais ça donne pas un réceptacle de cœur, cela dit. J'ai pas beaucoup de ressources. Je peux pas faire les pièces spéciales du style... Les pièces de combat et tout qui peuvent filer des items, c'est pénible. Mmh. Ah bah t'as une grenade, faut juste râler. Hein. Non mais c'est vrai, hein. Faut juste râler. Et les gens disent bon d'accord. Ah bah voilà, une clé en plus. Non mais c'était au niveau d'avant, il y avait plein de salles spéciales. Putain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et je le redirai. Je suis une souris. Yo les boys sur le chat, salut Daft. Bonjour FRB Yond. J'allais t'appeler par ton prénom, mais salut Daft. Salut Michel. Bienvenue sur Radio Michel. Oh non, pas la radio des Michel. Oh si, c'est bien. Non. Ça fait longtemps d'ailleurs, tiens. Mais non. Tu dois suivre ce que je fais, donc tu arrêtes tes bêtises. Brûlé. Oh putain. Oh. D'accord, bah salut François. Je vais jamais y arriver. J'arriverai pas à avoir Arès. Ça veut dire que je vais quand même passer enfin, potentiellement des streams à chercher le truc d'Arès et à ne pas l'avoir. Tu t'en rends compte, j'espère. Oui. C'est exactement ça.
Donc tu t'en rends compte, c'est déjà pas mal. Non, oh, putain, mais je... dès que j'ai lu le truc, j'ai compris. Donc j'ai... dans ma tête, j'ai soupiré, puis j'ai fait bon, bah, on fera avec. Hein. Ah, mais là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Ça part voir la moule, gars. Je présente mes excuses, pas Team 17 cette fois-ci. Au monde entier. Sauf ceux qui aiment ça, donc. Ah mais y'a rien ici. Ah si, y'a une clé. C'est déjà pas mal. Donne-moi la clé. Le moule aga. Même je viens de voir, on se dans un moule. Ouais non, ça a l'air chiant. Ouais. On t'en est soi-même. Voilà. Unique. Basique. Ah simple. Ça, ça me plaît ça. Genre, déjà, je vais monter la barre. Oh putain, ça a monté d'un coup. Et en plus, je vais pouvoir peut-être gagner un objet pour avoir du cœur. Mm-hmm. Quelque chose qui me manque beaucoup dans la vie. Du cœur. Oh. Un petit shield là, c'est toujours gratuit. Ah, une pierre magique du cul. Augmente vos dégâts de mêlée et d'armes. Ah, et d'armes, c'est déjà pas mal. Bon, c'était pas ce que je voulais, mais c'est bien. Et puis c'est gratuit, faut se dire ça. C'est gratuit, donc faut pas râler. Ça, j'aimerais bien avoir un docteur bleu là, avec tous les cœurs qu'il y a partout. Docteur qui ? Docteur bleu. J'aime ce que j'aime. Ah, des clés et du shield. Après, je suis con. Hein. Le shield, il aurait peut-être fallu que je le prenne après le don. Non. Je fais que le dire, mais je le fais jamais. C'est quand même fou, ça. Hein. Là, il y a tellement une salle secrète, là, mais bon. J'ai qu'une grenade. Après, mes clés peuvent devenir des grenades, mais... Les clés, c'est fort, quoi. D'ouvrir les portes. On prend le trésor et après on va viser. Est-ce que c'est de la vie? Oula, je vous suppose que c'est ça. Pourfendeur de démons. Tuez suffisamment d'ennemis et vous obtiendrez des cristaux. Nul, zéro. Par contre, on va tenter voir si on a gagné Arès. Ils en mettent en urine. Non mais faut... Enfin... On va voir. J'espère que ça le débloque vraiment pour toutes les runs. Parce que sinon, ça va être le bordel. Ah, je pense pas, non. Oh non, sans déconner. Attends, je vais vérifier. Mais... Non, mais bon, c'est pas. Attention, je sacrifie. Ah, une arme. Oh, il y a un pigeon. Il y a une poupée d'argile. Il y a les ailes de démon et le destructeur. Ah, je veux bien les ailes de démon, voir ce que ça fait, et le poupée d'argile. Ailes de démon, c'est Demon's Wings. Demon's Wings. A little sacrifice goes a long way. Trade one heart container for the ability to fly. Oh putain, non, c'est non. Et la poupée d'argile, ah, attends, clay. Clay doll, peut-être. Doll, c'est D-O-2-L, là, c'est oui, pas. C'est la poupée. Clay doll. C'est ça? Ouais, je pense, ouais. C'est un pigeon. Art is an explosion. There is a chance that killing an enemy will release an explosion from you. Et le destructeur. C'est une arme. Destructeur? Bon, attends, je le prends. Et... j'ai rien. Ah, ok, c'est bien le destructeur. Ça fait quoi? Des lasers. Il y a François qui t'aurait dit de prendre la poupée d'argile. Pourquoi? Je sais pas. Bof. Alors, juste pour la question que t'as posée juste avant, hein. Si vous mourrez, avant de tuer Arès, il faudra tout recommencer. Non, mais c'est de la merde. Je vais jamais y arriver. Sachant que, bien sûr, une fois que tu as la chose, il faut arriver à... Mais oui, c'est ça. À la suite, quoi. Mais je vais jamais y arriver. Ouais. Ah, il te donnait juste la traduction, pardon, ok, d'accord. J'ai juste donné la traduction, ok.
Mais je suis bête, pourquoi j'ai fait ça? Bon, c'est pas grave. Je savais très bien que c'était deux. Ah, super, pour avoir des cristaux. Et le badge du vol. Putain, mais c'est nul à chier, quoi. Allez, roule, imbécile. Bon, ça me plaît pas du tout. Attends, j'ai un truc avec le destroyer, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai un zéro là-bas? Libère des lutins maléfiques une fois utilisé, sa capacité dépend du niveau de l'arme. Quoi? Donc mon niveau d'arme là c'est zéro? C'est ça qui veut dire? J'ai pas compris. Bon ok, elle fait des dégâts le destructeur. Genre ouais. Mais c'est tout. Et j'ai pas de cœur encore, putain. J'ai pas de cœur, j'ai pas de shield. C'est compliqué de faire Arès. Ah de le faire ça je sais pas. Par contre d'y accéder. Ah oui bah c'est pareil. Ah c'est un peu violent. J'y arriverai jamais, je suis trop mauvais moi. Ce genre de truc. Ah non, la clé. Merci. Allez. Je vais attendre d'avoir un demi-cœur avant de faire ça. Non mais... Faut juste demander parfois. Ça n'a pas beaucoup augmenté ma barre par contre en bas. Mais c'est super dur. En fait, en gros, si tu veux réussir le challenge, il faut faire en premier lieu donc la pièce vénère pour utiliser un cœur, et puis avoir la chance d'avoir le truc d'Arès, et c'est tout. Et après, tu le fais plus parce que ben, si avec deux cœurs, t'arrives à rien. Mais je sais pas. Ou alors, faut avoir vraiment de la moule sur sur ta gestion dite d'objets et tout. Je sais pas, je trouve ça vraiment trop spécifique. Bon, au moins j'ai du shield. Après le boss. Attends, on est quel étage? Je peux savoir? Je sais pas. Oh putain, on est à quel étage? J'ai oublié. Merde. J'ai oublié à quel étage on est. Si on est à celui de... Hein? Non, non, je devais juste dire demande au monsieur parce qu'il était en face de toi, mais... Oh putain, on est à quel étage? Je sais pas si c'est l'étage... Mais non, c'est un étage classique, ça, je le verrai sur le... Il faut que je vois en fonction du décor du niveau, ça. Quand je pose la question. Ouais, je suis un peu bête, bon, c'est pas grave. J'ai paniqué pour rien. Bon, ça, c'est un niveau classique. Bon, mon arme est bonne, hein, c'est déjà bien, mais... Ok, j'ai un demi-cœur là. Donc, je vais faire ça là-bas. Oh! Bon, j'ai de l'argent, je teste, mais ça me fait peur. Yes! Allez, donne-moi plein de trucs. Super. Deux œufs, quoi. J'ai des clés, donc je vais le tenter, mais... Et surtout, ça file de l'argent de passer derrière, mais... Ok. Good. Ah, oh, putain. Bon, j'ai gagné de l'argent. Ok, très très bien. Donc ça, de suite... Ça craint un peu. Le shield j'opère, voilà. Je récupère de suite le cœur là. Et on avance. Hein. Heureusement mon arme est bonne, hein, mais... Voilà un docteur bleu quoi. Si je vais arriver à faire un truc, c'est Docteur Bleu et
et un item qui file un cœur. Sinon, c'est mort. Mm. Ouais, super. Un item qui file pas de cœur. Vous avez une chance de bloquer les dégâts de dégâts des ennemis. Bon, c'est bien, mais... Ouais, je sais pas comment je vais faire. Hein. C'est... Ah ouais, c'est juste infaisable, quoi. C'est genre, tu le fais une fois, ah j'ai pas eu mon truc, alors on recommence. Mon dieu. Ah, une nouvelle arme. C'est quoi? C'est nul. Bon. Réfléchissons. J'essaie de réfléchir au futur de la partie, mais ça, c'est un peu trop dur. C'est bien ça. Où c'est qu'il y a de l'or ? Là. I'm scared. Ça c'est non. J'avoue que des grenades, j'en ai pas. Enfin, ou clé. Hein. Non, de toute façon, grenade ou clé. Je prends. Je suis très déçu. Mais bon, on l'avait à moitié vu hein, que c'était compliqué. Ouais, on avait vu qu'il y avait un truc spécial à faire, mais... Maintenant je sais ce que c'est. Macarelle, comme dirait l'autre. Bon, bah c'est l'heure du boss, c'est après le shop. Donc fais-moi dispenser après le boss, le shop. Okay. Oh! Je l'avais pas vu cette attaque ça. Mais c'est nouveau ça aussi. Ah, elle a fait plein de... analgésiques. Augmente vos dégâts d'armes et cadence de tir et c'est pas un cœur. Mais c'est pas grave, pour le beau jeu. Hein, vu que de toute façon ça fait déjà pas mal. La boutique, la boutique, la boutique. Ouais, ouais, j'y vais. Voilà. J'y vais. En plus, vu que t'es décalé, je peux partir et tu me dis la boutique, je suis sur l'autre niveau. C'est vrai. Alors, le shield. Et maintenant, on prie. Parce qu'il me restera qu'un truc. Je veux voir au moins à quoi ça ressemble, ce putain d'objet. Alors, on a droit à la pioche, le chargeur de fusil et le seigneur mercenaire. T'as, montre-moi le seigneur mercenaire. Donc, Mercenary King, peut-être. Je sais pas. C'est une balle Mercenary avec... Lord. Pardon ? C'est ça, Mercenary Lord. Peut-être. Ah, peut-être, c'est oui. Ça. T'as une espèce d'obus avec des ailes ? Oui, c'est ça. Alors, the more coins you have, the more damage your weapon does. Ensuite, le chargeur de fusil. Comment on dit chargeur déjà ? Merde, j'ai oublié. Bah, fusil. Fusil, rifle. Rifle. Ouais, rifle. Rifle et... Merde, chargeur, c'est quoi ? J'ai pas de rifle. Gun ? Gun, j'en ai 10. Attends, comment il est ? C'est une cartouche. Enfin, c'est un... Ouais, je vois. Alors, c'est pas ça. C'est pas ça, ça non plus. Parce qu'au pire, je prends la petite pioche, hein. C'est pas trop mal, mais... Tac. La pioche, c'est Little Axe ? Ouais, non. Je l'ai sous les yeux, là. La pioche, c'est Little, pas Axe. Ouais, je l'ai sous Pickaxe. Les yeux. Pickaxe. Alors, vu que je l'ai sous les yeux. Oui, mais ça montre very... les secrets, je crois. A very useful tool, rival all nearby hidden rooms. Ouais, c'est ça. Et l'autre, du coup... Ah, je veux bien le chargeur, parce que la petite pioche... Non, il faut me trouver un autre nom, là. Ben, chargeur, en fait, c'est ce qui me manque, hein. Parce que fusil, rifle, weapon... Chargeur, c'est pas magazine. Ah, c'est pas con, ça.
connexion. Chargeur de fusil. Rifle magazine. Ouais, magazine, c'est pas con. Il avait raison. Alors, j'ai un magazine de films, mais c'est tout ce que j'ai, donc c'est pas ça non plus. Non, c'est pas celui-là. Au pire, je le prends et YOLO, mais bon, voilà, quoi. Après, non, parce que... loading peut-être, mais... Loading, c'est plus chargement... Non, j'ai pas ça non plus. Bon, bah... Je sais pas. Ah, t'as pas bullet? Genre bullet, bullet tank ou un truc du genre? Mais je pense que c'est pour tirer une balle en plus à ce genre de truc. Attends, j'en ai 60, là. Oh, putain. S'il faut, je vais le trouver au hasard. Ouais, peut-être. Ah, alors ça s'appelle Garand Clip. Garand Clip ? Garand Clip. C'est n'importe quoi. Alors, oh mon dieu, c'est quoi ce langage anglais bizarre là ? MoM, MOW, apostrophe EM, down, point. Add extra bullets per shot and increase your weapon damage. Ouais, c'est des dégâts. Bon, allez, je le prends. Alors, on va lire... Oh, je l'ai ! Ah ben voilà. Putain, mais non, mais je vais jamais y arriver. Faites un massacre. Ajoute des balles supplémentaires. Partir, ouais, bon. Oh là là. Alors, vous êtes en colère. Jetons d'Arès, vous êtes en colère hein. Voilà, maintenant que tu l'as, il te faut arriver à battre Zeus. Non, mais c'est une vanne. Non, c'est pas gentil, Guillaume, de faire des blagues pareilles. Tu ne blagues pas. Il te faut arriver à battre Zeus. Après Zeus, tu auras accès à une zone avec Arès. Je vais jamais y arriver. C'est, j'ai trois points de vie. Et là, j'arrive au niveau 5, donc chaque dégât va m'enlever un cœur entier. Et j'ai jamais eu ce gros con de Docteur Bleu. Non, c'est pas possible. C'est trop chaud. Bon, par contre, je fais des dégâts, c'est vrai, mais je suis une chips, quoi. C'est pas drôle. Et je te mange. Je suis une chips que je mange. Et je prends un tir. Mais je suis vraiment un gogol. Oh! Mais quel imbécile. Genre, une boulette rouge. Bon, cette fois-ci, je peux prendre ça pour avoir le bonus, cela dit, maintenant. Je peux enfin utiliser les cristaux. Pour éviter de prendre des dégâts dans la tronche. Oh, des cœurs, génial. Putain, mais c'est pas possible. Filez-moi un item qui me rajoute un cœur, j'aurai un peu plus de... Parce que là, je sais que je vais mourir, en fait. C'est ça. Je suis en train de perdre du temps pour rien. C'est très difficile, hein, Arès. Oh la vache. Vous êtes en colère. Non. Là, je prends le truc, je perds mon shield, je retourne dedans, je meurs. Donc c'est mort. Tu vas me dire, je vois pas un tir... Non mais genre, ne serait-ce que... Oh merde. Ne serait-ce que le boss... le deuxième. Tu sais, celui que j'ai atomisé là, tout à l'heure. Mais avec ce stuff là, je vais pas l'atomiser, c'est le problème. Avec ce stuff là, c'est lui qui va me... Il va me calmer. Ouais, non, là je... Je suis très 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 peu confiant en mes capacités de réussir. Soyons honnêtes. Oh, une nouvelle arme. Ouais, mais j'ai peur qu'elle me pète à la gueule, cela dit. Famine. Affronterez votre peur. Hmm.
En vrai, c'est bien. C'est pas mal. Ah, mais faut recharger. Allez, c'est mort. Ouais. Rends-moi mon destructeur. Non, 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 m'approche pas. Ne m'approche pas. Et là, j'ai pas le méga saut. Oh non. Bon, je vais le chercher. Oh putain, merci. Oh, oh. Espoir René. Pas du tout. Mais j'avoue, ça peut aider. Oh, un démon de feu. Je cherche toujours Docteur Bleu. Dites-lui de venir. S'il vous plaît. Faites un Genki-Dama pour appeler le Docteur Bleu, merci. Le Docteur Bleu est attendu à l'accueil. Ah, mais j'ai la salle... Oh, attends. Attends, là, il se passe des trucs. Elles permettent de faire un saut supplémentaire et elles sont trop mignonnes. Génial. Ensuite, j'ai l'item gratuit. Ah, l'espoir peut renaître. Oh, je peux voler. Allez, l'espoir renaît grave. Mais pas pour les boss. Ça dépend des boss, en fait. Pourquoi j'arrive pas à aller vers le haut? Parce que je suis toujours en WASD, c'est ça? Putain. Attendez, je suis obligé de... vérifier mes commandes. Gauche, droite, sauter vers le bas, vers le haut, c'est où? Y'a pas vers le haut! Putain. Gauche, droite, sauter vers le bas. Bon. Oh merde, je me suis trompé. Mais l'autre fois, t'avais pu voler. Bah oui, oui, non, mais c'est juste que là, en fait, il comprend que je suis en... Il comprend que je suis en... En ZQSD, il faut être en WASD. Voilà. Gauche. Donc c'est bien ça. Voilà. Changer d'objet. C'est celui-là. Retour. Ok, c'est bon. Bon, l'espoir peut renaître, hein, mais... Difficile, quand même. Hein. Si je peux aller chercher des nouveaux coffres, donc c'est chouette. Je sais jamais... Ah non, pourquoi j'ai failli faire ça, oh là là. Oh, j'ai pas pris les deux téléporteurs, mais je suis vraiment bête, moi. Bon, c'est pas... De toute façon, je peux voler, donc ça va plus vite. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Le pire, c'est que je suis un peu obligé de faire toutes les cases pour... Pour voir si... S'il y a pas... Une salle de combat pour un item, quoi. Non. Bon, allez, on ne fait pas ça. Allez, on va faire le boss. Ça va être très difficile, sachant que je vole. Et qu'il fait un peu n'importe quoi, ce boss-là, mais... Allez, c'est parti. Argo. Allez, on voit tes yeux, là, que je les dégomme tous. Argo, ça va être très rapide. Ah, c'est plutôt les fils, moi, qui me font peur. Oh, un cœur. Oui. L'espoir renaît. Je vais y arriver. Jamais. Allez, niveau 6, plus que 3. Je peux plus. Pourquoi on peut pas sauvegarder dans ce putain de jeu aussi? Alors, j'ai juste une question. Oui. Là, t'as passé le portail. Pourquoi est-ce que... Tu ne pouvais pas revenir à la salle d'avant chercher des cœurs? D'accord. Okay. Dans celui-là, je peux pas. D'accord. Dans ces niveaux bizarres, non. Dans les classiques, oui, mais dans les bizarres, je peux pas. C'est trop chiant. Non. On verra plus tard. Il me faut des objets.
Oh non, pas le clairon. Mon arme est très forte, hein, et je fais des très très bons dégâts, hein, mais... Ah. J'ai tellement peur. Je veux réussir. Si je réussis, par contre, je l'ai tellement mérité. C'est quoi ça? C'est un cookie? C'est une pièce en chocolat. Chaque fois que votre famille évolue, vous laissez tomber des pièces. Bon. Je veux que ça soit vous gagnez un cœur supplémentaire, mais... Si vous avez pas compris, je cherche des objets qui filent des cœurs supplémentaires. Genre des réceptacles de cœurs supplémentaires. Et je voudrais aussi le docteur bleu. Et des shields. Voilà. En gros, je veux survivre. C'est tout ce que j'ai besoin. Survivre. Je suis tendu. J'aime pas ça, hein. J'ai plein d'œufs pour avoir le docteur bleu. Non, non! J'ai pris un dégât nul, là. Okay. On se bouge. Oh, du shield, du shield. It's a shield, it's for defense. On se met là, on se retourne et on chie pas la grenade. Ok, c'est bon. Oh, oh là là. Elle fumine. Je trouve que tu n'es pas très supportif, Guillaume. Je suis aussi stressé que toi. Là. C'est vrai. Ouais. Je suis tellement stressé, putain. Je veux réussir. Allez, du shield et un cœur. On prend tout. De toute façon, j'ai de l'argent, ça sera juste pour ça. Hein. Pour prendre un shield et des cœurs. Bon, j'ai une grenade, je vais l'utiliser. Oh, des shields. Bon, c'est parti pour le boss. Attends, j'ai tout fait ici? Ah oui. Allez, c'est parti. Oh, c'est toc, ça va aller. J'espère. Meurs, Toc, meurs! J'ai dit meurs, Toc, meurs! Ok, t'es fait défoncer. Oh, le soldat de l'espace, ça rajoute un cœur, pas vrai? Oui! Je vais y arriver! Oh la vache! Allez. Là, c'est Hal, donc ça va être chaud. Et après, c'est Zeus. Putain. Mais j'ai des shields. Et j'ai un objet gratuit. Le masque antique, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des bombes, vous avez des chances de récupérer des cœurs. Je m'en fous. Allez, on va prendre l'objet gratuit. Ça sera forcément un réceptacle de cœurs. Oula, je sais pas ce que c'est. Une vision intérieure et un haricot magique. À toi de jouer, Guillaume. Alors. Bin. Vision intérieure. Et haricot magique. Magical Bean, il est violet. Oui. Alors. Oui. This unbelievable Bean will recover all your hearts and increase your weapon's range. Non, ça c'est pas. Enfin, ça peut être bien. Et la vision et intérieure. Voilà, c'est la vision. Alors, j'ai vision de nuit, c'est pas ça. Non. C'est bon, easy, rush le boss direct. J'hésite, hein. Non, attends, doucement. Mets quoi un autre nom? Pour vision intérieure, ouais. En anglais, intern vision. J'ai non, vision, j'ai rien, j'ai que night vision. Y'a pas vision? Merde. Self. Essaye de trouver self. S-E-L-F. Non. Putain. Inside? Ah, inside, ouais, mais c'est trop gros, inside. Non plus. Ouais. Non plus. Vision intérieure. On dirait un vagin. C'est pas un vagin, c'est un cube. C'est pas un cube, ça. Mais si, c'est un cube, mais en vue perspective, voyons. Oh bah putain, on n'a pas la même perspective. Hein. Mais si. Alors, oh putain.
Vision intérieure. Genre Vision, t'avais rien ? Alors, c'est Inner Eye. Ah, Inner Eye, oui, c'est bien aussi. You can preview the description of these items without picking them. Oui. Ouais. Ah. Voilà, voilà. Vas-y, je le prends juste pour... Bon. Ben, on va essayer de rush le boss, en vrai. Il a raison, Drakan. Soit je prends le risque de d'aller ramasser des trucs et de prendre des tirs dans la gueule. Oh, un shield. Moi, je serais plus D'essayer de récolter prudent. Les shields. Non, ouais. Mais je vais pas courir comme un mongol, ça c'est sûr. Mais j'ai pris un tir là, quand j'ai pris. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Non, je vais faire gaffe, hein, mais... Ah, c'est ça que j'ai dû prendre. Allez, go, on se barre. Oui, je vais essayer d'avoir les trucs les facilement. Mais... Je vais essayer de ramasser tout ce qu'il y a sur mon passage. Mais oui, si je peux essayer de me sauver la peau, ça m'arrange. Et toujours pas d'œuf bleu. Bon, vous m'avez compris. Et mon Donald Trump, il veut pas me filer des... Attends, parce que je vais faire ça. Il veut pas me filer des shields. Tu viens de perdre un bouclier. Oui, je sais. Merci de me le rappeler. Salaud. Fais au moins le boss de suite, après tu fais le niveau. Bah non. Mon but, c'est vraiment de garder tous mes boucliers. Donc. C'est là pour l'instant, je cherche le boss, après on verra. On va voir. Calmez-vous. Laissez-moi me concentrer. Calmez-vous. Dormammu. Je suis venu pour négocier. Pour survivre là. C'est plus de la survie que pour négocier. Ah putain. Après les monstres sont enculés. Les monstres sont pas durs mais... Faut que je fasse gaffe. Petit ourson. Et toujours pas le docteur bleu. Hein. On veut le docteur bleu. On l'aime. Sauf quand il fout tout par terre, mais... Dans les pics, pardon. C'est ces saloperies au plafond, là, qui me... Oh, un shield. Et un shield entier, en plus. C'est ça qui est bien. Il y a des trucs là-haut. Ah, merde, je l'ai pas vu. J'étais focalisé sur le bas et j'ai pas vu en haut. Vas-y, prends tout l'or du monde, Donald. Là, je te laisse faire, vas-y. Ah, il y en a là-haut, c'est pour ça. T'es vraiment intelligent. Il y en a d'autres, mais tant pis. Allez, go. Oh, le shop. C'est bon, il m'a vraiment donné. Non, mais quel imbécile heureux. Bon, c'est pas grave. Le boss est là. Est-ce que je perds un bouclier pour voir si au shop il y a du bouclier? Parce que c'est pas sûr. On va pas le faire. On va faire Hal. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que je vais autant l'atomiser que tout à l'heure, hein, parce que... Oui, bon, c'est bon, je l'atomise. Hal, ça va pas être un... J'ai pris un dégât. Mais pourquoi il meurt pas? Ah, c'est bon. Non. Ok. Vous êtes au sommet de votre art, augmente votre arme, Ouais, bon, ça sert à rien. Allez. On se barre. Et non, Draken, je viens de réfléchir. T'as dit, fais au moins le boss de suite, après tu fais le niveau après. On peut pas. Dans les boss spéciaux, on peut pas. On peut pas faire comme ça. C'est tu fais le boss, tu peux plus ressortir de la pièce. Ou alors, essayer. Il y a une technique, mais je sais pas comment. Bon, par contre, j'ai de la moule, j'ai des shields partout, là. J'ai énormément de moule. C'est faux, le dire, hein. Autant le stream d'avant, c'était l'enfer, autant là, j'ai moule sur 20. Merde, bon, c'est pas grave. Allez, on va chercher Zeus. Après, on ira tuer Arès, son cousin, son frère, son fils, j'en sais rien. Je m'en souviens pas, hein. J'ai envie de réfléchir à la mythologie. Mytho.
C'est grave. Oui, non, c'est pas grave. Hop, allez, go. Non. C'est bon. On prend le TP. On va essayer d'avoir le bloc là. On l'a eu. C'est pas par là. Mourez, mourez, mourez. Mourez, mais me faites pas de dégâts, merci. Mais tu vois pas qu'il y a une grosse pièce là, imbécile heureux. T'inquiète. La planète, elle va refroidir toute seule. Non, non, pas les fleurs là, qui dansent. Elles sont insupportables. Cuphead. Pardon ? Non, fleurs qui dansent, Cuphead. Ah oui. Et attends, les mains. Oh là là, des shields, c'est pour la défense, les shields. Oh, du shield, oh là là. Bon, ça va. Ah oui, mais en vrai, il y a Ares, quoi. C'est le problème. Il y a Zeus, mais après, il y a Ares. Bon, est-ce que là, on a un objet pété ? Masque de minuit, c'est vendredi, augmente les dégâts d'armes quand vous êtes blessé. Je suis pas blessé, mais c'est pas grave. Ensuite, on va faire ça. Du shield. Oh, du shield. Et j'ai pas vu le shop. J'étais aveugle ou... Non, mais tu l'avais pas cassé, le shop? Non, non, je crois pas. Je l'ai pas vu. Il est pas sur la carte. Il doit être là-bas. Je l'ai vite fait parce que s'il y a du... S'il y a du shield, on est content, quoi. Il faut du shield, il faut survivre. Après, si les gens n'ont pas compris, il faut du shield et survivre. Le mec, il va le dire 20 fois, tu sais. Non, mais ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est bien, ça. Oh, y a pas de shield. Nul ce jeu. J'ai pas assez de shield. Pas du tout. Il est où le shop? C'est dans le niveau juste avant que j'ai chié le... Oh! J'ai un objet gratuit. C'était dans le niveau juste avant que j'ai chié mon... Mon shop. Que je l'ai utilisé. Hein? Bon, j'y vais plus, et bah plus. Et merci d'être passé. Le bisou. Bon, il est où ce putain de shop là? Prends pas ça. Ah, bon, il y avait une caisse, c'est pas grave. Ah, le shop est là. On prend le shop et on se barre. On va tuer Zeus, puis Ares. Et après, je suis content parce que j'aurais gagné. y'a rien du tout, génial. Tout ça pour rien, bon c'est pas grave. Ah, avant faut prendre l'objet pété. Enfin, j'espère que c'est un objet pété. Donne-moi des dégâts. Oh là, j'ai tué suffisamment d'ennemis et vous laisserez tomber des boucliers supplémentaires. Chaque fois que vous tuez un ennemi avec des bombes. Non. Allez, on prend les shields. Hein. C'est bien les shields. C'est pour survivre. Allez, c'est parti pour Zeus. Meurs, Zeus. What a man. Meurs, Zeus, meurs, Zeus. Zeus. Non, j'ai pris un dégât. Mais il est mort. Ah. Ah, bah oui, bah, j'ai le portail vers Ares. C'est parti. Je me chie tellement dessus. Mais d'une force. En vrai, on va peut-être rusher le boss là, hein, sur Ares. Hein. C'est, si je le trouve, je le tue. Parce que là, je me fais complètement dessus. Évidemment, il va pas être tout prêt, quoi.
la recherche d'Arès. Non, pas là. Pas le moment suivi. Bon. Eh merde, c'est pas le boss. Bon, c'est le shop, cela dit. C'est bien. On va prendre des shields. S'il y en a. Il y a un demi-shield. Oh, c'est quoi ça? On le prend. Allez, on le prend. Plus vous avez de pièces, plus vous infligez des dégâts de mêlée. Bon, c'est gratuit, on le prend, mais... Mais c'est pas... Bon, c'est pas ouf ouf pour ce que j'ai, mais c'est pas grave. C'est gratuit. C'est ce qu'il faut se dire. Allez. On part là-bas. Ah, il pleut. Oh. Tu l'as vu celui-là ou pas? Le shield qui m'apparaît juste devant. Genre il arrive, il fait zouf. Il s'est téléporté devant moi quoi. Allez, clip. Le jeu sent. Genre, tiens. Voilà. Et allez, encore. Ah, succès déverrouillé, levée de bouclier. 3, d'accord. 6, 9. Ah, quand tu vas 10, peut-être. Ouais, peut-être. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, ouais, ça doit être ça. Genre, cumuler 10 boucliers, et vous serez Jésus. Jamais être Jésus. Ah, le boss est là. C'est parti. On y croit, hein. Bon, non, je risque de l'atomiser, mais j'ai pas du tout ce qu'il fait, donc il va falloir juste que je le bourre. T'as oublié une clé. Oh putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Je peux pas voler, je peux pas voler. Meurs. Ah. Ben voilà. Il m'a fait peur pour rien. Ah mais si, je pouvais voler. Ah mais je pouvais faire des sauts en plus. Je suis con, mon dieu. Ben voilà, j'ai gagné. Easy. J'ai... Ah, j'ai une boule au ventre. Et j'ai eu tellement de chatte. Faut le dire, j'ai eu énormément non, mais de chance. Vraiment, vu comment la reine s'est déroulée, c'est vraiment une de tes reines les plus intéressantes, je trouve. Oh la vache. Allez, c'est qui la nouvelle cible? Athéna. Ouais. Oh non. Ouais. Quand la véritable sagesse est dissimulée, l'humanité se complaît dans l'illusion et y perd son âme. Le jeton de l'illusion que vous trouverez dans son temple vous guidera jusqu'à elle. Ah ben c'est faut être gentil jusqu'au bout. Et faut faire pareil que Zeus, que Arès, sauf que c'est la gentillesse. Ça sera tellement plus simple. Peut-être. Oh, je pense que là, c'est ça. Je sais pas, je me suis pas renseigné. Je pense que c'est ça parce que quand on va dans la salle violette, là, quand on est gentil, on dirait qu'il y a des Athéna dans des tuyaux derrière. Non, mais c'est ça, c'est forcément ça. Oh, ça va être beaucoup plus simple. Oh putain, je suis content. Yay, on peut aller danser là. Non, pas Vesperso, il est tout pourri. Oh, on va reprendre Wade, hein, il est bien. Hein. Allez, on danse. Et puis on va se quitter là-dessus, parce que je suis pas bien. Oui. Faut que j'aille me calmer. Donc sur ce, ben merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était vraiment intéressant. En vrai de vrai, j'ai eu énormément de chance, ça c'est indéniable, je le nie pas. Mais c'est cool, comme ça on avance et on pourra peut-être un jour faire un autre jeu. Sachant que là il te reste Athéna, mais oui, je pense qu'il y a d'autres le trucs. Jeu, voilà, je pense qu'ils vont ajouter d'autres trucs par la suite. Oui, oui. Mais c'est juste que si on arrive à Athéna, ben on pourra changer de jeu. Et peut-être revenir sur celui-là en cas que... Ouais, à des heures tardives, on verra. De toute manière, dans les jeux qu'on doit revenir, il y en a quand même 3 ou 4 déjà, donc où on attend d'autres contenus. Donc, Oui, c'est sûr. Donc ce soir, on vous fait des bisous, suivez-nous un peu partout, hein, comme d'habitude, et puis à la prochaine, tout simplement. Ouais, et rejoignez nos Discord, il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint, c'est super vrai. Cool, on fait pas mal de sessions de Among Us en ce moment avec les gens qui nous rejoignent. Alors on le stream pas, mais franchement, c'est beaucoup plus agréable d'être en vocal sur Among Us qu'à l'écrit, donc n'hésitez pas, voilà. Donc merci beaucoup, allez ciao ciao tout le monde. À bientôt.